TCN est organisée par le club Thésée Course Nature, qu'on appelle TCN, qui a été fondée en 2008. Et c'est la quatrième année que le club organise la TCN, avec des parcours qui changent quasiment tous les ans. Je pense que cette année, c'était le plus beau parcours où on a réduit au maximum le goudron. Voilà, on est à peu près 70 bénévoles sur cette course, dont les 50 membres du club, puisqu'en fait les membres du club n'ont pas le droit de courir ce jour-là, ils sont réquisitionnés pour bien organiser, pour pouvoir accueillir un peu tout le monde. Voilà, donc c'est un parcours qui est un mixte entre les vignes, les buis, un petit peu de forêt, qui passe aussi, qui traverse quelques petits hameaux typiques du Beaujolais, des Pierres Dorées. Voilà, le départ se fait dans le village, qui est un village aussi très joli et très, voilà, très pittoresque du coin. Et puis après, voilà, les parcours de la 13 et de la 29 sont communs. Il y a une bifurcation pour la 29 qui va du coup prolonger un petit peu et prendre un peu plus de dénivelé. Et ils reviennent par la fin du 13-14. Ça se passe pas trop mal ? Ça va. Pas trop dur ? Ça va pour le moment, les quatre ça va. Nickel. Ah, une bonne petite montée en cailloux qu'on va, je pense, prendre en descendant. Mais ça va, ça se passe bien pour l'instant. Jolie vue en tout cas. Alors on bloque les inscriptions à 500 comme tous les ans pour des raisons conviviales en fait. On a envie de garder un petit peu ce côté familial et aussi par rapport à la capacité du village qui est un petit village qui n'a pas énormément de parking. J'ai fait la TCN, donc qui fait partie du Maxi Best de l'Endurance Tour. Donc c'était une course fantastique, un super beau parcours avec plein de singles magnifiques. Donc l'organ nous a préparé un petit truc aux petits oignons, un parcours secret qu'on a découvert ce matin, donc c'était vraiment très très sympa. Beaucoup de félicitations à l'organisation qui ont préparé un truc génialissime avec les ravitaux au top. Un tirage au sort à l'arrivée qui anime bien tout le podium. Donc encore merci à la TCN. Et un petit mot quand même, puisque moi je fais partie de l'association du Beaujolais Trail Aventure. Donc on fait aussi partie du Challenge Best. Et donc on organise le Trail des Grisemottes en octobre. Donc on vous attend tous en octobre à Quincy en Beaujolais. C'est vrai que c'était plus sympa de faire la descente que de monter, mais c'était très très chouette. Donc ensuite, Pauline, toi tu viens de Châtillon-d'Azergue. Magnifique parcours, pas facile, avec de belles côtes et vraiment un super plaisir. C'était en plus différent du parcours de l'an dernier, donc magnifique. Merci à toute l'organisation. Moi je viens de La Chapelle. C'était un magnifique parcours et on a fait une bonne partie de la course ensemble, donc ça nous a bien aidés toutes les deux. Bon bah Céline, vous avez fait la course ensemble, quasiment. Tes impressions de course C'est vrai qu'on a tout... Enfin, moi je trouve que le parcours a gagné cette année. Il était encore mieux exploité au niveau des singles. Donc il faut savoir que si vous voulez faire la TCN, il faut s'y prendre tôt. Parce que tous les ans, on est complet deux mois avant. Voilà, c'est un peu le revers de la victoire.